Bonsoir tout le monde, mon nom est Rachel Smiley Dana Jean-Pierre, la postulante de la catégorie Miss à l'International Junior Miss Haïti. Cet après-midi, je suis là pour vous présenter mon discours en tant que leader de la semaine. En tant que leader de la semaine, cette nomination est vraiment d'une importance capitale pour moi et non seulement ça, je dois être leader de l'année et plus précisément, je me bats pour être leader de ma communauté puisque je l'ai déjà été. Mes accomplissements, je veux dire que j'avais beaucoup comme accomplissement. J'ai réalisé des rencontres avec des personnalités publiques, question de leur faire savoir qu'en est-il de mes projets, qu'en est-il de toutes les réalisations que je dois présenter en tant que Miss à cette compétition. Mes futurs projets sont vraiment nombreux. Parce que, disons que moi-même, j'avais déjà commencé et question pour faire comprendre aux médias et pour collaborer avec toute la communauté gonaïvienne. Et je veux dire qu'avec la commune gonaïve, on va réaliser beaucoup de projets sur la faim, sur l'environnement, sur la lecture et d'autres projets que moi-même, j'aurai à vous partager. Le sport a beaucoup d'importance pour moi, disons, l'importance est sur les questions de la santé, principalement. Et non seulement pour dégraisser, mais c'est bien pour l'obésité, c'est bien pour l'articulation, c'est bien contre la maladie cardiovasculaire. Et pour cela, je vous conseille à pratiquer le sport. Le coronavirus, mes conseils pour vous, c'est être discipliné. Parce que c'est la discipline, je veux vous dire que vous êtes déjà mort. Alors, prenez soin de vous et pratiquez les techniques de prudence. Et lavez vos mains, soyez très propres avec vous. Et de cela, je vous dis déjà bon après-midi avec nous parce que j'ai beaucoup de réunions à faire cet après-midi. Et passez une bonne fin de journée. C'était Rachel Jean-Pierre, l'International Miss Junior Miss Haïti, représentante de la ville des Gonaïves. Ciao!